Bonjour à tous. Comme vous le savez, pour tous ceux qui suivent nos pages à Facebook et la chaîne YouTube, évidemment, sur Instagram un petit peu moins, vous avez constaté que Aston a toujours des costumes. Nous travaillons donc avec un partenaire officiel, Creative Tapis, que vous connaissez à force de voir son nom sur les vidéos des spectacles. Et nous avons un autre partenaire qui travaille également avec Creative Tapis pour lui faire la partie filet, licole, tout ce qui est monté. Alors aujourd'hui j'ai reçu depuis un certain temps, on a mis un petit peu de délai avec le fameux Covid, et nous avons une règle entre la créatrice Aurélie de Creative Tapis de parler des idées de costumes de couleurs. Donc je sais juste que la couleur qu'elle a validée, c'est couleur forêt, vert forêt. Mais je vais découvrir tout comme vous, puisque les cartons sont fermés, je ne les ai pas encore ouverts. Je vais découvrir en même temps que vous la création qu'elle nous a faite pour Aston le Taureau pour le prochain spectacle qui aura lieu en septembre. Donc, on est tous pressés et impatients. Alors Aurélie, je te préviens, hein, j'espère que... C'est une règle qu'on s'est fixée. M'a dit, je ne te dis pas, c'est une surprise. Et nous fonctionnons, figurez-vous, comme ça. Et ça marche à chaque fois très très bien. C'est notre petit jeu entre nous. Mais à chaque fois, je découvre. Oh là là! Ah bah déjà, je vois le prénom Aston. Waouh! 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 Et comme je découvre et que je vraiment, c'est... Waouh! Eh bah dis donc, waouh! Regarde, alors, hein, je suis vraiment... bah franchement... Voilà, donc ça, c'est le collier de chasse, comme on appelle. Alors, la couleur... La couleur vert foré, vraiment toujours de très belle qualité en velours, magnifique. Évidemment, le petit sac d'un vert magnifique, hein, vraiment là, parce qu'il y a vert et vert, et franchement ce vert-là, elle a, comme d'habitude, Aurélie a très très bien choisi. Bah, c'est bien pour ça que c'est une créatrice de mode, mais pour les chevaux et pour Aston. Donc j'imagine qu'il y a les bandes qui vont avec. Oh là 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 là, mais regardez-moi cette finition. Voilà, avec le collier de chasse, les bandes. Mon Dieu. Ah, j'aurais pas pensé. Alors là, merci. Alors là, Aurélie, elle t'a fait fort. Hein, là, franchement, waouh, super. Oh bah Aston, hein, tu dis pas ce que Aurélie t'a préparé. Hein. Tu vas être beau pour ton prochain solo. Évidemment, on imagine bien qu'il y a un tapis. Puis le tapis, il est... Alors, le tapis, bon, il est à l'envers, on va l'ouvrir. Hein. Déjà, on voit la forme qui est complètement différente que les autres tapis qu'elle a créés. Et nous allons l'ouvrir. Voilà. Waouh. 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 Alors, toujours le rappel, hein, vous voyez, avec les bandes de polo, le collier de chasse et le tapis. Donc, ça fait vraiment un costume en trois pièces. Donc, on peut dire... comme un homme d'affaires, costume en trois pièces. Ah, Aston, tu vas être magnifique. Avec, et effectivement, avec un tissu très exceptionnel, différent des autres. La dernière fois, c'était du velours pur. Là, c'est un autre style de velours, apparemment, je crois. Mais c'est vraiment hyper agréable. Évidemment, n'oublions pas les logos. Je vous rappelle que les logos sont faits main. C'est Made in France 100%. C'est Anja Création. C'est une collaboratrice qui travaille avec Creative Tapis qui fait ça. Je tiens à travailler toujours avec des Français et des locaux. Alors elles sont un peu loin puisqu'elles sont du côté de Nantes, mais on est sur du Made in France. Donc vous voyez que la qualité française est exceptionnelle. Donc évidemment plus cher, mais vraiment exceptionnel. Et ça dure sur du très long terme. Voilà, donc ça c'est sur la partie habillement Aston. Maintenant, on va prendre la partie montant de filet ou licol. Nous prenons le deuxième petit carton. Voilà, alors le deuxième, c'est Creative Tapis qui nous a présenté cette Camille qui est la sellerie à Bacar et qui fait tout ce qui est cuir pour les chevaux de spectacle ou d'autres chevaux, mais essentiellement spécialisés dans le spectacle. Donc nous allons ouvrir la petite chose. Pareil, elle a joué le jeu avec les ordres d'Aurélie. Camille, tu ne montres rien à Sabine.
Voilà, donc j'ai pu que lui montrer mes mesures, donc refaire les mesures d'Aston, le montant, le frontal, les joues, le nez. Voilà, avec un très très beau catalogue que nous vous mettrons en ligne avec toutes les coordonnées. Et maintenant, waouh, c'est bien emballé pour bien protéger le produit. Ah oui, on dirait qu'on a du cristal dans le carton. Et effectivement, elles ont bien travaillé ensemble pour garder les mêmes couleurs et les mêmes finitions. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Et effectivement, on est sur du tissu. Elle a réussi à faire du cuir mélangé avec du tissu. Donc, un travail très difficile, mélanger le tissu et le cuir. Donc, on va voir les rennes. Alors oui, effectivement, les rennes d'Aston, c'est 3,20 m. Voilà. Et oui, ça paraît... Alors, quand Camille a créé, me disait, ça paraît grand. Mais effectivement, il est magnifique. Regardez-moi ces détails. Aussi bien, comme pour les chevaux, comme pour un filet ou un licol avec du laiton, magnifique. Pareil au niveau des anneaux, on est sur du détail, un cuir très fin. Effectivement, vous pouvez pas le toucher, moi je vous le dis, oui, hein, on est sur un cuir très très fin. Voilà, avec un frontal et un frontal magnifique, hein, vraiment. Ça c'est le petit détail qui tue et qui rappelle le A de Aston. Alors j'imagine que maintenant vous voulez l'essayer, on va tester le mannequin. Aston, tu vas nous servir de mannequin, on va te tester, on va tout mettre maintenant parce qu'on veut savoir si ça te va. Alors on va habiller le mannequin Aston et on vous rejoint dans quelques minutes. Donc voilà, Aston nous a fait un super mannequin, calme, tranquille, il a chaud avec le soleil. Donc un petit rappel pour nos créateurs français, puisque je travaille également avec un partenaire allemand. Donc aujourd'hui c'est sur On parle des Français. Donc bien sûr Creative Tapis qui fait toutes les créations que vous connaissez, que vous pouvez aller voir évidemment sur son site, et ainsi que les réseaux sociaux. Et la sellerie à Bacar, qui elle d'ailleurs marque bien sellerie des arts et artisanat du monde équestre. Elle fait également des créations pour les cirques comme Grus notamment. Les choses qu'elle fait sont toutes sur mesure, tout comme Creative Tapis, c'est pour ça qu'elle travaille ensemble. Et nous sommes très très fiers aussi que Aston puisse participer et apprécier le travail de ses partenaires qui sont français, je vous le rappelle. On fait un petit coucou à la caméra, on fait un petit bisou, on dit on fait une belle révérence, allez on va faire une petite révérence. Hop là, on y va. On y va ? Oui ! Voilà ! Très bien Aston, c'est parfait ! Bravo Aston au mannequin et bravo aux partenaires. Merci ! À bientôt !